Bonjour, je m'appelle Maxime et je suis développeur chez Coding Game depuis plus de 3 ans. À l'origine, j'étais un utilisateur de la plateforme. Je participais régulièrement aux concours de programmation qui étaient organisés et j'aime particulièrement cette idée de mélanger à la fois jeu et programmation. Ainsi, lorsque l'opportunité s'est présentée à moi de postuler, j'ai pas hésité une seule seconde et voilà comment j'ai rejoint l'équipe. Concrètement, lorsqu'on développe une nouvelle fonctionnalité, voici comment ça se passe. On va partir d'une problématique, puis on va se réunir autour d'une table à 4-5 et on va réfléchir ensemble à une solution. Suite à cette réunion, le groupe va développer la fonctionnalité de manière assez classique. Ce que j'aime particulièrement dans ce process, c'est que du début à la fin, nous sommes impliqués dans les décisions du produit. Notamment puisque je suis un développeur et que notre produit s'adresse à des développeurs, mon avis compte et c'est très agréable. Dans l'équipe R&D, nous sommes environ une dizaine de personnes, et bien que nous travaillions sur des fonctionnalités différentes, on sait ce que font les autres. Notamment grâce au code review, mais aussi aux réunions qu'on fait chaque semaine, justement pour savoir ce qu'ils font. Tous les mois, nous faisons aussi des réunions de type rétrospective qui nous permettent d'améliorer à la fois nos process et nos outils. En ce qui concerne les technos, pour le front, on est sur de l'AngularJS, mais de plus en plus du React. Pour les deux, c'est de l'ES6 avec NPM, Webpack, etc. Et pour le bac, on est principalement sur du Java avec du PostgreSQL en base de données. Donc pour conclure, j'aime particulièrement travailler à Coding Game parce qu'on est tous impliqués dans notre travail, on veut réussir et on forme une bonne équipe pour ça.